Bienvenue à votre revue de l'école du sabbat en quatre questions. Notre étude ce trimestre est centrée sur le livre de Daniel. La leçon d'aujourd'hui, qui est basée sur le 11e chapitre de Daniel, est titrée « Du nord et du sud à la bataille ». Pour nous aider dans notre étude aujourd'hui, nous avons sur le plateau M. Serge Apollo. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Merci. Et M. Marcelin Apiou. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Avec plaisir. Alors, avant de nous plonger dans notre étude d'aujourd'hui, Serge, pouvez-vous prier pour nous, s'il vous plaît? Oui, prions. Éternel notre Dieu, nous te remercions et rendons gloire au fait que tu as préservé nos vies et tu nous as donné un plan de salut. En ce moment, nous avons l'occasion de discuter ce livre de Daniel, le chapitre 11. Nous invitons ta présence par le Saint-Esprit pour nous illuminer et nous faire comprendre le message qu'il y a dedans pour nous. Merci d'avance par le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. 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 Dans le chapitre 10 que nous avons étudié la dernière fois, nous avons vu que les difficultés rencontrées par les enfants d'Israël de retour d'exil ont amené Daniel à intercéder à travers le jeûne et la prière pour son peuple. Alors, Dieu lui a envoyé l'ange Gabriel pour le réconforter et lui révéler son plan global qu'il avait pour l'avenir de l'humanité tout entière. Aujourd'hui, nous étudions le chapitre 11. De quoi parle-t-il en général, M. Marcel? Le chapitre 11, en fait, c'est une continuation de ce qu'on a vu dans le chapitre 10, puisque devant les inquiétudes de Daniel face aux difficultés que les premiers Israéliens qui étaient retournés d'Égypte et de l'exil, devant les difficultés qu'ils rencontraient une fois qu'ils étaient arrivés sur place, bon, Daniel a prié et puis il a jeûné et tout ça. Donc, Dieu lui a envoyé une vision ou plusieurs visions pour le rassurer que ces gens-là, il ne les a pas oubliés. Et en plus, il a montré que au-delà de ce qu'il va faire pour ces gens qui sont retournés en exil, il y a un plan beaucoup plus merveilleux pour eux et pour toute l'humanité. Donc, maintenant, Dieu envoie des visions à Daniel pour lui donner des détails sur ce qui va se passer dans le futur. Et il envoie aussi un ange pour lui donner des explications par rapport aux visions qu'il lui a envoyées. Donc, dans le chapitre 11, voilà, ce qui se passe, c'est que Daniel reçoit des visions. Et ces visions-là, ce n'est rien de nouveau par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le début du livre de Daniel. Mais Dieu devient de plus en plus précis. Et au début, Daniel chapitre 2, on avait vu une statue, la tête d'or. On avait dit que ça, c'était Babylone. Mais la poitrine, nous, on avait interprété, on avait dit que c'est les Mèdes et les Perses. Mais c'est dans ces chapitres-là, à partir du chapitre 10 et 11, que l'ange révèle même les noms de ces royaumes-là à Daniel. Donc, dans le chapitre 11, en plus des grands royaumes qu'on avait décrits auparavant, Dieu va rentrer dans les détails pour dire dans chaque royaume ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Donc les différentes successions de pouvoir. Les successions de pouvoir. Quel roi va venir? Combien de rois il y aura? Et qu'est-ce qui va se passer pendant les règnes de ces rois-là? Donc des détails beaucoup plus minutieux. Donc le chapitre 11, on verra des détails sur le royaume de Perse et la Grèce, des détails sur les rois qui vont venir, comment ils vont se succéder. Aussi, il y aura des détails sur la Syrie et l'Égypte.
Vous savez, quand on prend un peu la carte de la région, l'Égypte se trouve au sud d'Israël. C'est vrai. Et la Syrie se trouve un peu plus en haut, donc au nord. Donc, il y a des termes qui sont utilisés pour parler du royaume du sud, l'Égypte, le royaume du nord, la Syrie. Donc, des détails sur les rois qui vont se succéder et les alliances qu'ils vont essayer de faire, des alliances politiques, bien sûr. Et aussi, il y aura des détails sur l'Empire romain, les différents empereurs romains. Pas tous, mais les plus significatifs qui marquent l'histoire du monde, qui vont se succéder. Et aussi, un élément important qui est la naissance et la crucifixion de Jésus-Christ en plein milieu du règne de l'Empire romain. Donc, cette vision aussi sera donnée avec des détails et des explications. Et enfin, il y aura ce qu'ils appellent la puissance suivante. La puissance qui va succéder à l'Empire romain. Et on avait vu dans la statue de Daniel que à partir des pieds, il y avait du fer, et après le fer, il y a une statue. Et il y a une autre puissance qui viendra de mettre faire bon, de fer, des pieds et de le fer. Voilà. On retrouve encore cette puissance-là ici. Dans le chapitre précédent de Daniel, au chapitre 9, on avait vu qu'il y avait une bête avec des cornes. Avec des cornes encore. Voilà. Et on avait vu une petite corne. Donc, cette petite corne, c'est les mêmes attributs qui se retrouvent ici encore. On va voir, c'est exactement les mêmes attributs. La puissance qui va succéder à l'Empire romain, là, c'est les mêmes attributs qu'on va voir. Donc, avec des détails très précis sur encore ce que cette puissance suivante-là va effectuer. Donc, voici très ramassé comment est le plan de ce chapitre 11 du livre de Daniel. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le niveau de détails qui seront donnés. Ça, c'est très intéressant. Merci. On pourrait se demander pourquoi le Seigneur révèle-t-il à l'avance autant de détails sur les événements qui allaient se produire dans cette région. Oui, c'est une bonne question parce que nous lisons ce chapitre et ça peut semer de la confusion dans nos têtes, tous ces détails. Mais il y a une bonne raison pour cela. Essayons de lire Ésaïe 46 à partir du verset 9. Nous voyons Ésaïe 46 à partir du verset 9. Il dit, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Donc je peux m'arrêter là. Nous voyons un, Dieu nous fait savoir qu'il est au courant de tout ce qui se passe, au présent, au passé et dans le futur. Donc nous voyons que Dieu, avec ce savoir, est au contrôle de ses enfants et de l'histoire du monde. Deuxièmement, c'est le caractère de Dieu, c'est qu'il peut exécuter sa volonté dans les affaires du monde. Donc là, nous voyons que ces détails nous montrent la gloire et la puissance de Dieu. Et il y a aussi un bien-être dans ces détails pour nous qui sont ses enfants, parce que cela nous informe des événements qui sont à venir. Regardons un peu dans Daniel 11 au verset 33. Et cela dit, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Donc dans tous ces événements, il y a des gens qui seront sages, qui pourront comprendre tous ces détails et comment relater ces détails à la vie quotidienne des saints, des enfants de Dieu. Et nous savons que
L'autorité, reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Donc, tous ceux qui cherchent la Bible avec De tout leur de cœur, tout leur cœur, ils pourront honnêtement, utiliser cette parole pour informer les autres. informer les autres. Et tu commences à avoir un certain savoir de comment diriger ta vie. Et de cela, tu peux aussi apprendre aux autres comment patienter, attendre le retour de Jésus. J'aime bien cette deuxième Deuxième de point. aspect Oui. de la question. Oui, bon, Dieu nous fait des révélations. À quoi cela nous sert? À quoi cela nous est utile? Aujourd'hui, bon, c'est des choses qui sont passées. À quoi ça me sert d'avoir une vision sur l'avenir du monde? Je crois que cela m'aide personnellement à me préparer. Dieu veut que je me prépare, que je sache qu'il est Dieu et que je mette ma vie en ordre. Il veut aussi, il attend de moi aussi que la connaissance que j'ai reçue là, Tu la que je puisse partages. la partager avec d'autres personnes. Oui. Et je crois qu'en tant que croyant, lorsque nous, il est de notre devoir de partager notre connaissance de Dieu avec nos semblables. Si j'ai quelque chose, un trésor, et je sais que mon frère en a besoin, je dois le partager avec lui. Donc la parole de Dieu est un trésor. C'est quelque chose de précieux. Parce que il y a des gens qui meurent dans ce monde par manque de connaissances. Il y a des gens qui sont troublés, qui vont chercher la solution de leurs problèmes, soit chez des charlatans, soit dans l'alcool ou la drogue. Moi qui ai reçu cet éclairage-là, je dois pouvoir me mettre à leur service pour leur dire, attention mon frère, ma soeur, en réalité, voilà ce qu'il y a. Nous sommes aujourd'hui perturbés par ce qui se passe dans le monde, les guerres et tout ça. Y aura-t-il la paix? Y aura-t-il pas la paix? Avec tout ça, je peux dire à quelqu'un, bon, la parole de Dieu nous enseigne que les temps seront difficiles, Oui. mais De ne pas nous perdre devons espoir. chercher Dieu. Parce que lorsque nous voyons tous ces problèmes-là, ça veut dire que ce monde-là est en train de finir. Et nous devons courir, chercher Dieu de tout notre cœur. Parce que il est bien de chercher l'argent, il est bien de chercher des positions, il est bien de s'amuser, mais ces choses ne sont pas éternelles. Ça va passer. Donc Dieu attend de nous que nous nous engageons. Que nous nous engageons pour le service. Et la parole de Dieu nous dit que quand Jésus partait, il a invité ses disciples à travailler. Faites de toutes les nations des disciples. Donc ça, c'est quelque chose que nous devons nous acharner dessus pour faire, parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Donc, ces révélations, en résumé, ça nous permet de savoir que Dieu, il est au contrôle de l'histoire de l'humanité. Et quel que soit ce que nous traversons, de savoir que Dieu est au contrôle de cette histoire de l'humanité. Et de ne pas, comme vous l'avez bien précisé, le deuxième aspect nous dit de ne pas garder cette vérité-là pour nous Pour seuls, nous seuls, mais de la partager avec ceux qui sont autour de nous. oui. Et ça, c'est très important. C'est l'objectif que nous avons. Partager cette bonne nouvelle-là, Avec afin ceux. que ceux qui sont autour de nous ne périssent point, mais qu'ils puissent également avoir la vie éternelle. Très intéressant. Merci. Daniel, au chapitre 11, verset 22, nous parle du prince de l'alliance qui sera brisé. De quoi s'agit-il ici? Le prince de l'Alliance, lorsqu'on lit le contexte dans lequel a été mentionné le prince de l'Alliance, Dieu donne des détails sur le contexte historique dans lequel ce prince de l'Alliance-là sera brisé. Et on voit
que c'est pendant l'Empire, la domination de l'Empire romain. Donc, nous allons lire à partir du verset 20. À partir du verset 20. Celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume. Mais en quelques jours, il sera brisé et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. Un homme méprisé prendra sa place, ça c'est le verset 21, sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et anéanties, de même qu'un chef de l'alliance après qu'on se sera joint à lui. Il usera de tromperie et il se mettra en marche et il aura le dessus avec peu de monde. Donc, ça présente très rapidement les intrigues qui se passaient dans l'Empire romain. Donc, on parle du prince de l'Alliance. Lorsqu'on parle de prince dans la Bible, on fait généralement référence à Jésus-Christ. Et le prince de l'Alliance, c'est l'alliance de Dieu avec son peuple et avec les hommes. Donc, qui d'autre que Jésus-Christ est peut-être le prince d'une telle alliance? Parce que c'est Jésus qui est venu sur terre et il est mort afin que la relation entre Dieu et les hommes soit rétablie et ouvrit une porte pour le salut de l'humanité. Peut-on identifier à travers les Écritures ici rapidement que en fait il s'agit de Jésus-Christ? Oui, et on peut l'identifier, mais si on lit je vais renvoyer nos auditeurs dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 27, à partir des versets 33, nous allons voir tout ce qui s'est passé. Nous n'allons pas le lire parce que c'est long, jusqu'au verset 50. Mais Jésus-Christ est le prince de l'alliance entre Dieu et les hommes. Maintenant, ce que nous voyons ici, c'est que le contexte dans lequel Jésus-Christ a été crucifié. Et Dieu a donné une vision claire et précise. Nous voyons que on parle de un empereur qui va faire venir, qui va mettre des impôts sur le peuple juif. Et ça, c'est l'empereur César Auguste. Et la Bible utilise un terme qui est exécuteur. Voilà. Et ce terme-là, Exacteur. exécuteur, donc ça signifie Quelqu'un. percepteur d'impôts. Donc c'est lui qui est venu instaurer les impôts. Mais la Bible nous... On se rappelle que c'est sous cet empereur, César Auguste, que Jésus-Christ est né. Mais la Bible nous dit aussi que lui ne va pas rester longtemps. Il ne va pas rester longtemps. Et on se rappelle qu'il s'en était pris à Jésus et Jésus avait été parti en En exil. exil. Et c'est après sa mort que Jésus est revenu. Donc quand il est revenu, celui qui l'a remplacé, c'est l'empereur Tibère. Et c'est sous cet empereur-là que Jésus-Christ a été crucifié. Voilà pourquoi on dit ici que au verset 21, voilà que Un homme méprisé prendra sa place voilà. sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par intrigue. Voilà. Donc, c'était un homme très, très sévère, très méchant. Et c'est au milieu de son. C'est pendant son royaume que Jésus-Christ a été crucifié. Donc, on voit là des détails qui montrent exactement
à quelle période le sauveur de l'humanité allait être crucifié. Donc, je crois que c'est vraiment très intéressant de voir que depuis l'époque de Daniel, qui à peu près 600 ans avant Jésus-Christ, Ça montre avec détail ce qui allait se passer. ce qui est intéressant, ça montre même les caractéristiques des dirigeants Des dirigeants à l'époque à cette époque où où Jésus allait Jésus-Christ naître. allait naître. Oui. Donc, cela est vraiment, les détails là sont vraiment frappants. Comme vous l'avez dit, du verset 16 au verset 28 du 11e chapitre de Daniel, il transparaît que cette révélation est sur l'Empire romain. Il y a des détails sur la succession des rois au sein Des de l'Empire différents romain. rois dans l'Empire romain. Donc, ça nous montre plusieurs détails jusqu'à la naissance de Jésus, ou du moins jusqu'à la crucifixion de Jésus, et des événements qui vont se poursuivre après ça. Maintenant, à partir du verset 29, Daniel 11 au verset 29 nous dit, à une époque fixée, il marchera de nouveau contre le sud, mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme la première fois. Donc, on dit, il marchera de nouveau contre le sud, ce qui laisse transparaître une nouvelle puissance, Une nouvelle approche. une nouvelle approche. Alors, quels sont les attributs de cette nouvelle puissance, si on peut la catégoriser Oui. de la sorte? Donc, essayons d'identifier cette nouvelle puissance parce que nous avons parlé de l'Empire romain du verset 16 au verset 28. Et là, l'Empire romain revient sous une nouvelle forme. Et quand nous faisons les comparaisons entre Daniel 11 et Daniel 8, par exemple, le verset 11 de Daniel 8, qui nous dit, le bouc devient très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux quatre vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Et quand nous continuons, nous voyons que cela nous donne une comparaison avec Daniel 11, 30, qui parle des navires de Kittim s'avanceront contre lui, découragés, il rebroussera, plus furieux contre l'Alliance Sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera des regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance Sainte. Nous avons aussi, ça nous parle de, au chapitre 8, verset 13, cela nous parle de, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur les sacrifices perpétuels et sur le péché dévastateur? Nous avons une autre version de cela dans le chapitre 11, verset 31, où on nous parle de elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Donc, quand nous comparons un peu ces textes-là, nous voyons que cette nouvelle émergence de l'Empire romain, c'est comparable à la À la petite petite corne. corne. Donc, ce n'est rien d'autre que une description encore de la petite corne. De la petite corne. Avec les mêmes attributs. Avec les mêmes attributs. Maintenant, rentrant dans les attributs, premièrement, nous voyons que il y a la persécution de l'Alliance Sainte que nous venons de décrire. Mais c'est qui même là, c'est qui cette alliance sainte? À quoi est-ce que ça réfère? Donc, l'Alliance Sainte, évidemment, c'est l'alliance entre Dieu et Ceux qui le suivent. ceux qui le suivent. Donc, quand cette puissance est en train de persécuter ceux qui suivent Dieu, elle est en train de persécuter l'Alliance Sainte de Dieu.
Donc, en gros, si le prince de l'alliance est Jésus, Oui. donc l'alliance sainte, ce sont les chrétiens. Donc, Exactement. ceux qui restent fidèles à Dieu. Oui. Et deuxièmement, nous voyons qu'il y a une profanation qui est en train de prendre place au verset 31 de Daniel 11, quand on nous parle de l'abolition des sacrifices, du sacrifice perpétuel. Et le sacrifice perpétuel, nous savons, autant c'était le grand prêtre sacrificateur qui était à la place pour représenter, mais au fait, c'est Jésus qui est le type de ce sacrificateur. Donc, comme on l'a vu dans la leçon 9, donc le chapitre 8, Oui. où on a vu le rôle du sacrifice perpétuel qui était pour le pardon de nos péchés. Exactement. Donc, au lieu de passer par Jésus pour le pardon des péchés, cette nouvelle puissance essaie d'établir une autre voie qui est une voie de perdition. Et cela a pour objectif de d'abolir le sacrifice perpétuel que Jésus nous offre à nous tous. Donc, toute puissance qui va contre la parole de Dieu, Exactement. donc qui nous introduit une nouvelle façon de recevoir le pardon de nos péchés, reflète ces attributs de cette nouvelle Nouvelle puissance. puissance. Et cette nouvelle puissance amène à une abomination de la désolation, c'est-à-dire une confusion générale dans les pratiques chrétiennes. Et nous voyons que les gens maintenant accourent vers ce genre de pratiques au lieu de rester fidèles à la Bible et la vérité de Dieu. Ça, c'est un point très important. Au verset 31, vers la fin du verset 31 et 32, on dit que il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance sainte. Donc, séduit par des flatteries. Vous savez, aujourd'hui, dans les églises, on voit toutes sortes de choses. Et la Bible dit abomination. Il y a vraiment des choses abominables. Parce qu'on voit des messages qui sont faux. Comme l'évangile de la prospérité et des messages comme nous sommes sous la grâce, nous n'avons plus besoin De travail, d'obéir à la d'obéir à loi la de parole de Dieu. Dieu. Donc tout ça, c'est des choses qui induisent le peuple de Dieu en erreur. Donc nous devons faire attention à toutes ces choses-là. Et il y a des choses encore plus abominables quand on voit l'impudicité que ce soit ou que vivent dans les églises. Je prends l'exemple des pasteurs qui trompent leurs épouses avec des membres d'église, même au sein des églises, comment il y a une vie de débauche. On voit par exemple, même en adoration, il y a des églises que parfois je regarde à la télé. On dit que ça, c'est un culte. Je ne sais pas si c'est vraiment dans une église ou dans Ou une boîte de dans une boîte nuit. de nuit. Parce que ce que Dieu a instauré comme saint et pur, là, les gens ont tout transformé. Donc, lorsque on parle de cette puissance-là, il faut faire attention parce que c'est surtout ces actions sur notre façon d'adorer, notre relation avec Dieu. C'est ça qui est très important. Et l'abomination, il n'y a qu'à ouvrir les yeux et voir ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens qui, sous prétexte qu'ils veulent enseigner la parole de Dieu, font des choses vraiment que je ne pourrais décrire ici. Exactement. On voit des femmes s'adonner à des pratiques terribles avec des soi-disant pasteurs. Et tout ça, c'est l'abomination. Toutes ces choses qui sont abominables à Dieu. Parce que quoi? On dit que la Bible dit que il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Donc,
Aujourd'hui, les gens prétendent vouloir suivre Dieu, mais ils veulent des chemins de facilité. Oui. Et tous ceux qui veulent la facilité, qui ne veulent pas mourir en eux-mêmes pour suivre Dieu, tous ces gens qui veulent la facilité, ils seront séduits par cette puissance-là, par des flatteries. On va te dire, viens, il y a un moyen, au lieu de te soumettre à Dieu, de confesser tes péchés, il y a un moyen plus simple. Il suffit juste de mettre la cendre sur ta tête. Juste faire telle ou telle chose, et bon, c'est bon. Mais nous savons tous que sans repentir sincère, nous ne pouvons pas avoir le pardon de nos péchés. Nous savons que si nous disons que nous aimons Dieu, nous ne pouvons pas ne pas aimer notre prochain. Aimer notre prochain et obéir à la loi de Dieu. Dire que tout est grâce, bon, il y a la grâce, on peut vivre comme on veut, ça c'est une abomination. Et ça, c'est quelque chose que la petite corne, une philosophie que la petite corne est en train de distiller pour, comme on le dit, mettre à terre l'alliance de Dieu avec ses enfants. Donc, nous devons faire très attention parce que ça c'est un véritable danger qui menace les enfants de Dieu. Alors, si l'objectif de cette nouvelle puissance-là est de séduire les enfants de Dieu pour les conduire dans l'abomination. Alors, comment peut-on échapper à son emprise? Je crois que ça, c'est une question cruciale parce que nous ne voulons pas vivre dans l'abomination. Ça veut dire vivre d'une manière qui ne plaise pas à Dieu. Donc, j'ai deux versets. Le premier, dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 24. Où nous lisons. Cela dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, en esprit, adoration en esprit et en vérité. Nous devons chercher Dieu de tout notre cœur et chercher la vérité. Et cette vérité-là se trouve dans la parole de Dieu, mais elle se trouve aussi dans notre cœur. Si notre cœur est tourné vers une recherche sincère de la vérité, tout ce que nous voyons qui ne matche pas avec ce que l'Esprit de Dieu nous dit, nous devons faire attention. Et cela nous conduit à lire notre deuxième verset dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Merci. Donc, la parole de Dieu dit de ne pas faire foi à tout esprit. Donc, tout pasteur qui vient avec... un nouveau message. Un message bizarre. Ne ferons pas foi. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? D'éprouver. Et comment on peut éprouver ces esprits-là? Ce que ces gens-là nous enseignent là. Dieu nous a fait grâce d'avoir sa parole. La Bible. Nous devons la lire. Lorsque quelqu'un vient avec un message, demandez-lui, montre-moi dans la Bible. Ta pratique là, montre-moi qu'il y a un fondement biblique. Donc, si je vois quelqu'un qui vient, il prend du coca ou je ne sais quoi, et il verse sur la tête des gens qu'ils seront guéris, ce n'est pas des trucs bibliques. Nous devons nous éloigner de ça. Si je vois quelqu'un, j'ai vu une fois une vidéo là, un soi-disant pasteur, les gens se mettent à genoux et puis lui il marche sur eux.
Jésus n'a jamais fait des choses comme ça. On n'a jamais vu Jésus dans la Bible faire des choses comme ça. Je dois m'éloigner de ces gens-là. Si quelqu'un, un soi-disant pasteur ou révérend, s'amène et il me promet des millions, des milliards si je fais telle ou telle chose, Jésus était sur terre, il n'a jamais fait ça pour quelqu'un. Donc nous devons lire notre Bible. Et ça, c'est très important. Amen, amen. Et la parole de Dieu dit dans Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2 nous dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions, pardon, ça c'est le verset 1, mais le verset 2 nous dit: ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas aux choses de ce monde. So, il en vient à dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, il ne faut pas aller là où les gens vous disent d'aller, faire tout ce que les gens vous disent de faire parce que c'est à la mode. Mais les phénomènes de foule. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vient, ça draine des foules. Donc, parce que tout le monde va, on se dit, ah, donc ça doit être vrai. Ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Mais nous devons regarder dans la parole de Dieu et nous assurer que la pratique, là, elle est en conformité avec la parole de Dieu. Et c'est le seul moyen que nous avons pour échapper. Un cœur sincère qui cherche sincèrement à connaître et savoir que nous cherchons Dieu en esprit et en vérité. Donc notre esprit doit être disposé à chercher Dieu et en vérité. Donc on ne doit pas chercher ce qui nous plaît. C'est pas ce qui me plaît qui compte. Non, c'est la vérité qui est importante. Amen. Et aujourd'hui, malheureusement, la vérité a quitté nos lieux de culte. La vérité a quitté nos vies. La vérité a quitté nos familles. La vérité a quitté bon nombre de dirigeants religieux. Donc, nous devons faire attention. Amen. Et se méfier. Et notre seul guide, c'est la parole de Dieu. Et avec la prière, j'ai l'assurance que Dieu, il va nous éclairer et nous conduire sur le bon chemin. Amen. Amen. Du nord et du sud à la belle terre. Cher ami, tu te trouves peut-être dans un état de confusion. La Bible te dit, dans Jérémie 29, versets 11 à 13, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » La leçon prochaine est titrée « De la poussière aux étoiles ». Pour clôturer, Marcelin, pouvez-vous prier pour nous, s'il vous plaît. Okay. Éternel, notre Dieu et notre roi, merci infiniment pour l'étude de ta parole. Merci parce que tu nous as apporté de la lumière aujourd'hui. Oui, si nous sommes dans la confusion, nous te prions que tu étends ta main et que tu nous éclaires. Ne permets pas que tes enfants soient séduits par les manigances de cette nouvelle puissance que nous avons découverte. Mais que nous puissions nous tourner vers toi pour te chercher de tout notre cœur et te servir en esprit et en vérité. Amen. Aide-nous dans ce processus. Aide nos amis qui nous suivent et qui te cherchent de tout leur cœur, afin qu'ils te trouvent, Seigneur, et qu'ils t'adorent tel que tu le désires. Que ton nom soit glorifié. Bénis chacun de nous, bénis nos amis qui nous suivent, et apporte à chacun ce dont il a le plus besoin pour marcher avec toi. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.